فمرأة نزع عليه الدم أي دم الحيض قبل أذان المغرب بدقائق. Une femme dont le sang des menstrues a coulé quelques minutes seulement avant l'appel à la prière de Maghrib. Que doit-elle faire? Elle doit rattraper ce jour-là. Dans le cas où elle a ressenti les douleurs qui précèdent les menstrues, avant le coucher du soleil, même le sang des menstrues n'a coulé qu'après le sang, qu'après le coucher du soleil, et bien dans ce cas-là, elle n'a pas à rattraper son jeûne et son jeûne est valide. أن الباب قال باب الصائم يصبح جنبا، نعم. Personne qui se réveille après l'appel à la prière, de la prière du matin, de l'Fajr, en état d'impureté rituelle, c'est-à-dire en général, est-ce que son jeûne est valide? Oui. Son jeûne il est valide. D'ailleurs, le Prophète, rahimahullah, il a intitulé un des chapitres de son recueil de la personne qui se réveille en état d'impureté majeure durant une des journées du jeûne, et donc il conclut cela. كل من أخطأ في رمضان لعذر شرعي فله أن يأكل ويشرب في نهار رمضان ولا إشكال. من أخطأ كل من أخطأ لعذر له أن يأكل ويشرب. نعم في نهار رمضان. Toute personne qui suit une excuse valable est amenée à rompre son jeûne durant les journées du mois de Ramadan, a le droit, après cela, de manger et de boire sans aucun problème. ثم أذن
لصلاة الفجر واغتسلت بعد الصلاة ونوت قبل الفجر أن تصوم هذا الليل، فهل صيام هذه المرأة صحيح؟ نعم. Si une femme allait purifier de ses menstrues avant l'appel à la prière de la prière de Fajr, et que l'appel à la prière a lieu par la suite, et qu'elle a l'intention de jeûner cette journée, mais qu'elle n'accomplit le lavage rituel suite à la purification des menstrues qu'après la prière, est-ce que nous sommes jeûnés les bannis? La réponse est oui. Avant de s'adonner au jeûne sur le Il paraît
يعني مسألة ما ترى من فتن غيرها، فماذا يصنع الشاب؟ Concernant la question en relation avec les tentations que l'on peut voir énormément partout, comment peut-on conseiller le jeune, c'est-à-dire le petit, dans ces cas-là? Et tu sais quoi? Il se marie. Fait le mieux, c'est-à-dire. S'il ne peut pas, il le sent. Qu'il jeûne. Et qu'il ne mange pas trop, il ne boit pas trop. وأن يكون مع المصالح تعمل بالمعروف تنهى عن المنكر. qu'il reste en compagnie, en bonne compagnie, en compagnie de personnes vertueuses qui lui ordonnent le bien, qui lui interdit le mal. كذلك يزور القبور الزيارة الشرعية. Et aussi il visite les tombeaux, c'est-à-dire une visite qui est appuyée par les textes religieux. لا يتكلم بهذا الباب باب النساء وباب النكاح وكذا. qu'il ne parle pas de ces sujets-là, tout ce qui a un rapport avec le mariage, avec les femmes, on ne parle pas. رب البصر. baisse son regard. ولا يخفى ويليق القول مع النساء وتسامح بهذا الباب. et qu'il ne fasse pas preuve de d'exagération dans la façon dont il s'adresse aux femmes, qu'il ne va pas employer un ton assez particulier lorsqu'il parle avec elles, qu'il ne fasse pas preuve de laxisme lorsqu'il s'adresse aux femmes. Allah Ta'ala nous dit, n'approchez pas à la fornication. Il n'a pas dit, subhanahu wa ta'ala, ne forniquez pas. Pourquoi cela? Car il y a des choses qu'Allah nous en préserve qui amènent la personne à la fornication. Écoutez la musique. Regardez les femmes. Discutez avec les femmes. S'isoler avec elles. Et d'autres choses de ce genre. Aussi, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, suffis-moi de par ton licite à l'encontre de ton illicite et donne-moi la suffisance. Et donne-moi la suffisance de par ta grâce contre les autres, ce peuple qui a besoin des autres. Aussi, il a aussi invoqué Allah Ta'ala comme l'a invoqué le prophète Yusuf alayhi salam lorsque Allah a rapporté sa parole dans la sourate qui porte le même nom. Oh Allah, la prison est préférée à ceux par quoi il m'appelle, et si tu ne me détournes pas de leur ruse et subterfuge, j'accourrai vers elle et alors je ferai partie des ignorants. Il y a sourate Yusuf alayhi salam. Il y a sourate Yusuf aussi alayhi salam. لا ينام إلا وهو متعب جدا ومحتاج إلى النوم. qu'il n'aille pas dormir tant qu'il n'est pas fatigué énormément et qu'il n'a pas un besoin énorme dans le sommeil. يعني يبذل غاية الجهد في الحفظ والمراجعة والصلاة والاستغفار وغيرها. qu'il fasse le maximum d'efforts possibles dans l'apprentissage. Dans la révision, dans l'accomplissement des actions supérogatoires. Là, on ne regarde pas la télévision. Donc, il ne regarde pas la télévision, qu'il n'aille surtout pas sur Internet, sauf si ce n'est pour un besoin pressant et obligatoire et qui s'arrange lorsqu'il en a besoin de le faire pas tout seul, mais en présence d'autres personnes. Qu'il ne se rende pas dans les endroits dans lesquels on trouve de l'exhibition, c'est-à-dire de l'exhibitionnisme, ou encore de la mixité, ou des perversions. Il fait tout son possible pour améliorer la communauté. يعني
comme par exemple acheter des hijabs qui les distribuent aux femmes. Qu'Allah Ta'ala nous préserve ainsi que nous des tentations. كنتم خير أمة أخرجت للناس.
قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا متبع. فالمتبع حق للنبي عليه الصلاه والسلام لا بد ان يدعوك الى ما دعا اليه النبي عليه الصلاه والسلام وبخاصه التوحيد. Donc on se doit de faire comme le prophète alayhi salam a agi et a fait, et qu'on ait l'intention donc d'inviter les gens à l'islam dans le but à ce que la volonté du prophète alayhi salam ne cesse de croître et d'augmenter, donc ne cesse de croître et d'augmenter.